Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Rave in the Redwoods. Donc le glitch consiste à avoir les munitions de la row en illimité. Donc là je vais vous faire spawn une vidéo pop-up. Enfin voilà, je vais vous montrer la vidéo. Donc dans cette vidéo vous allez voir que je vais dans l'arsenal. Et dans Arsenal, je vais acheter... Enfin, là, je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai déjà acheté. Donc, je ne vais pas l'acheter, mais voilà, je l'ai déjà. Donc, vous pouvez voir que j'ai la Raw Liberty, donc la Epic, qui est achetable aussi pour 4000 boulons. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir dans des caisses de ravitaillement, bah, vous pouvez l'acheter avec des boulons. Il vous en faudra 4000. Et ensuite, quand vous avez bah, la Raw, vous vous en équipez. N'oubliez pas d'aller dans Équipement, Armes et de s'équiper... De, voilà, d'équiper l'arme épique, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai la row équipée. Donc pour avoir la row, il suffira juste de acheter les boîtes Magic. Parce que vous ne pouvez pas l'acheter, elle n'est pas sur la map, elle est que dans la casse Magic. Et les casses Magic, vous pouvez les repérer avec le néon mauve qui part dans le ciel. Donc voilà. Quand vous avez réussi à choper la row dans la caisse Magic, et ben là, vous allez devoir... fabriquer le masque. Donc le masque, je vous explique pas trop comment. Bah, je vais vous montrer les emplacements du masque. C'est très très simple, comme ça vous savez, comme ça vous n'êtes pas obligé de chercher. Donc le premier emplacement du masque, il se trouvera ici. Vous voyez où je suis? Il se trouvera ici. Et le deuxième emplacement du masque, il se trouve donc si vous, il se trouve près du grand feu, enfin près du près des pneus là. Donc si vous, si je cours super vite, c'est totalement normal. C'est parce que j'ai fait un glitch. Pour courir aussi vite. Donc voilà. Donc le deuxième emplacement, il se trouvera ici. Donc, vous voyez près des pneus ici. Ok, dans l'ombre là. Donc quand vous avez le masque, il va falloir vous diriger près du mess hall. Donc le mess hall où j'étais juste avant. Donc là j'y retourne. Donc si vous voulez savoir comment je fais pour courir aussi vite, c'est très simple. Il suffit juste. En fait, et cette technique, elle est légite. Hein. Enfin, je pense pas que c'est légite, mais c'est un bug en tous les cas. Okay, c'est pas vraiment un glitch, c'est juste un bug du jeu. Donc voilà, et si vous voulez savoir comment je fais pour courir aussi vite, il y a une vidéo précédemment sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la check. Ou alors dans la description de cette vidéo, il y a toutes les playlists. Donc playlist tuto Spaceland, Redwood et glitch tuto Redwood et Spaceland. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc quand vous avez le masque, il va falloir accrocher le masque ici. Et là, il y aura des clés qui sont tombées là parce que voilà, j'ai déjà tiré dessus. En fait, il faudra juste tirer dessus sur la clé. Elle tombera dans, dans la petite tasse. Et là, il faudra s'équiper. Donc voilà, carré. Et là, vous allez voir. Donc vous pouvez voir que j'ai 236 balles. Okay, la capacité de ce masque, du masque là, est telle qu'elle recharge. Donc regardez, là, je vais tirer. Donc là, je suis à 6 munitions sur 90. Okay, là, je change d'arme. Je reprends mon arme. Là, je suis à 9 munitions sur 87. Vous avez vu, ça a décompté 3 munitions. J'étais à 90, maintenant je suis à 87. Et j'ai récupéré 3 munitions. Donc là, hop, là j'ai récupéré 2 munitions. Je suis à 85. Ok, continue. Je suis à 13. Ok, 83. Et voilà, mon arme elle est rechargée complètement. 15 sur 81. En fait, la capacité du masque que j'ai équipé sur mon arme, peu importe l'arme que vous équipez, hein, ça fera pareil. En fait, ça recharge votre arme sans que vous vous en équipez en fait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de la recharger. Donc par exemple, bah, vous tirez avec cette arme. Puis après, quand vous êtes à court, donc à zéro, voilà, comme ça, bah, vous changez d'arme. Vous atteignez le zéro ici, vous changez d'arme. Et pendant le temps que vous avez usé votre deuxième arme, votre première arme est rechargée. Donc ça, c'est la spécificité de ce masque. Mais comme sur la row, je n'ai pas de munitions. Vous voyez que j'ai que 246, mais j'ai qu'un chargeur en réalité. J'ai pas un deuxième chargeur. Donc voilà, j'ai pas une réserve. Voilà, j'ai pas de réserve, j'ai un chargeur principal. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, le masque, il fait que ça recharge mon arme. Mais comme il ne sait pas de décompter, comme il sait pas décompter les munitions de ma row parce que j'en ai pas en capacité, donc vous voyez ce que je veux dire? Et bah, j'ai des munitions illimitées, tout simplement. Regardez, juste. Ça c'est en illimité les mecs, hein. C'est vraiment en illimité. Après il suffit juste de vous mettre dans un bug.
et vous tirez en illimité et vous les défoncez en illimité, quoi. Vous ne serez jamais à court de munitions. Hop, voilà, je change d'arme. Donc, même si vous. Je vais aller l'améliorer. Ah non, je ne peux pas aller l'améliorer, mais même si vous l'améliorez, ce sera pareil. Ce sera entièrement en illimité. Donc voilà, vous voyez, je suis à 176. Regardez, ça va encore augmenter. Voilà, 180. Et ça, c'est en illimité, les potos. C'est vraiment un glitch de ouf. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao! Peace!